Elle est militante au travers de son art. Louise est auteure, chanteuse, metteur en scène et chorégraphe. Elle s'évertue à promouvoir la tolérance, la bienveillance et le respect de la différence dans ses clips. Louise est transgenre, c'est une femme née dans un corps de garçon. Elle participera le 7 mars prochain au concours Miss International Queen, un concours de beauté transgenre en Thaïlande. Hi, my name is Louise, I'm 36 years old and I'm living in Réunion Island. C'est vrai que c'est un concours un peu différent, dans le sens où c'est un concours ouvert essentiellement aux femmes trans. C'est aussi un moyen de montrer la beauté trans dans sa plus grande diversité, puisqu'il y a des candidates du monde entier. Et je trouve ça, moi en tout cas, super intéressant, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un moyen de mettre en lumière ce sujet qui est encore peut-être un peu tabou en France ou ailleurs. Louise n'a pas eu de problème à faire accepter sa singularité dans sa famille. Elle est sensible à ceux qui n'ont pas cette chance. Au sein de l'association Le Refuge, elle rencontre des jeunes qui ont subi le rejet à cause de leur orientation sexuelle. Louise espère aujourd'hui la création d'un centre de référence de la transidentité. Que ce soit en France ou ici, il n'existe pas de lieu comme ça où on peut rencontrer en fait des personnes trans, où les gens peuvent échanger. Savoir aujourd'hui que si on a envie de changer de genre, c'est possible sans avoir besoin de recourir à une quelconque chirurgie, puisque la loi s'est assouplie à ce niveau-là. Donc je pense qu'il manque ce type de centre de référence, que ce soit en France et à La Réunion, et il faut aujourd'hui que nos décideurs puissent investir dans ce domaine-là, puisqu'il y a encore beaucoup de trans qui malheureusement souffrent et qui viennent à commettre le pire parce qu'elles sont incomprises et parce qu'elles ne sont pas prises en charge. Les Réunionnaises sont invitées à voter pour Louise sur Internet, sur le lien du concours Miss International Queen. Il y aura une vingtaine de candidates et celle qui obtiendra le plus de likes intégrera directement le top 12.